On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPad. Cette semaine, nous allons parler d'iOS 4, le nouveau système d'exploitation de l'iPhone, de l'iPod, mais aussi de l'iPad. Tous les détails, c'est dans le sommaire. On refait le Mac. L'iPhone 4 arrive le 24 juin, mais l'événement cette semaine, c'est aussi le débarquement d'iOS 4. La nouvelle version du système d'exploitation de l'iPhone sera disponible en téléchargement dès le 21 juin, gratuite pour les possesseurs d'iPhone 3G et 3GS, mais également les iPod Touch récents. Elle devrait redonner un coup de jeune à votre mobile ou à votre baladeur. Quelles sont les avancées les plus intéressantes de cette mise à jour? Quels sont encore les progrès à accomplir? Est-il vraiment nécessaire d'investir dans un nouvel iPhone? On refait le Mac épisode 23 à la découverte d'iOS 4. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Avec pour en parler cette semaine, Steph, qui est en duplex à Cologne, en Allemagne. Bonjour Steph. Bonjour. Et qui vient juste de terminer de regarder son match. Merci d'être présent ce soir. Ça va pas de trop rien, dégoûter de rien, d'avoir perdu avec l'Espagne, parce qu'il est aussi espagnol, d'avoir perdu avec l'Allemagne, parce qu'il est aussi allemand, et il est un petit peu français aussi. Mauvaise semaine. Francophone, s'il vous plaît. Ouais, hein? Bon, et belge en plus, mais ils n'ont pas été qualifiés, donc tout va bien. C'est fini, oui. Et au centre, Monsieur X, un ancien responsable d'Apple, qui avance un visage masqué. Ça va bien, Monsieur X? Ouais, la Coupe du Monde, ça, c'est fait, comme on dit. Ah, il y a encore un petit espoir, hein, au moment où on enregistre, mais il est faible. Et à ma droite, le spécialiste du tweet sur la Coupe du Monde, si vous êtes abonné à son tweet, il s'appelle Zara sur Twitter, c'est Emmanuel Torregano du site www.electronlibre.info. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors messieurs, on va parler, si vous êtes d'accord, d'iOS 4, c'est l'une des grandes nouveautés. Hein. Là, on a beaucoup parlé de l'iPhone 4, mais on n'avait pas encore abordé en refait le Mac le sujet de ce sujet, à savoir le nouveau système d'exploitation iOS. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez pour certains déjà essayé, puisque Steph est développeur. Quelles sont, selon vous, les grandes avancées qui sont les plus remarquables et qui méritent qu'on installe au plus vite, c'est-à-dire dès lundi, iOS sur son iPhone? On va peut-être commencer par Steph. Stuf, bah il y a un truc très très simple qui est le fast app switching. Fast user switching, c'est sous macOS. C'est ce qui permet de passer d'une application à l'autre très vite. Ceci dit, c'est quand même un demi dessert pour l'instant, parce que tant que les applications ne sont pas compilées pour iOS 4, elles ne sont pas multitâches, et donc jusqu'à ce que Apple approuve toutes les applications qu'on a soumises, et dont certains des miennes, ces applications redémarreront à chaque fois qu'on les relance. Donc c'est un petit peu pour l'instant on n'a pas complètement le grand truc. Je vous disais que Steph était développeur, donc il faut les sous-titres, mais je crois qu'on a. Ouais, tu me dis s'il y a des trucs qui sont complexes. Ouais. Mais a priori, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand tu peux passer d'une application à l'autre, juste. Comme le Mac, en tabulant. Comme quand tu fais commande tab dans le Mac, quoi. Voilà. Donc sauf que tu n'as pas la commande et tu n'as pas le tab. Ça, on peut le faire, puisque enfin, ça y est, iOS, monsieur X. Multitâche. Ouais, sinon, c'est le gros truc. C'est vraiment. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce qu'on dit ça, ça, c'est disponible que pour les gens qui ont un 3GS, un iPhone 4 et un iPod de 3ème génération, donc à savoir un 32Go, peut-être un 16 aussi, vous me corrigez si je dis des conneries, mais je crois aussi, un 16. Voilà. Donc ça veut dire que les gens qui ont un iPhone 3G ou un iPod de 2ème génération, ils n'ont pas le multitâche, et la vérité c'est que ça commence à devenir moins intéressant quand on n'a pas le multitâche iOS 4. Monsieur X, donc vous qui êtes un ancien responsable d'Apple, pourquoi selon vous Apple a autant attendu pour faire venir le multitâche sur l'iPhone? Est-ce que c'est calculé ou c'est simplement une contrainte technique de puissance? Moi je crois que c'est avant tout une contrainte technique de puissance. Un choix, c'est tout. Hein. Je disais, les principales fonctions mises en avant de iOS, c'est le multitâche,
pouvoir générer ces applications par folder, ce qui va être un peu plus pratique sans doute. Ouais. Et puis, on en parlera du folder, mais concrètement, le multitâche. Beaucoup de ressources, donc. Le multitâche, donc il faut un gros bouton pour faire tourner. Le seul truc, c'est que par rapport à ce que disait Monsieur X, c'est que pour moi, c'est pas une contrainte technique du tout. C'est une contrainte, c'est une décision commerciale pour la simple et bonne raison que l'iPhone Edge et l'iPhone 3G. Le plus beau, l'iPhone Edge, le plus beau. Je sais pas, c'est discutable. Ils ont le même hardware, le même logiciel. Ah, ça commence à devenir chaud ce soir. Vas-y, continue. Ils ont le même processeur, la même RAM, à savoir 128. Ils ont un processeur à... je préfère partir de conneries, mais 400 MHz, si je dis pas de conneries, j'en ai peut-être dit une. Soit, ils ont le même, donc il n'y a aucune raison technique derrière ce choix. C'est à mon avis bêtement et simplement un choix commercial que je cautionne à la rigueur. Tant pis pour les gens qui ont un iPhone Edge, c'est un peu ça en gros l'idée. Et puis surtout, je pense que ce qui se passe, c'est que les gens qui ont un iPhone Edge l'ont depuis a priori au moins 2 ans. Il serait peut-être temps d'en changer. Ils ont la possibilité d'en changer via AT&T ou autre, quoi. D'accord. Bien. Emmanuel, c'est vrai que le multitâche, c'était ce qui était pointé du doigt par les concurrents d'Apple, notamment par Google et avec Android. Là, avec cette version-là, on peut dire qu'il rattrape le retard qu'ils avaient sur ce point-là sur les autres téléphones. En tout cas, pour le grand public, oui, parce que iPhoneOS a toujours été multitâche. Hein. Si vous envoyez un mail et que vous passez sur Safari ou sur une autre application... Pour les fonctions de base, mais pour les réseaux sociaux, par contre, c'était un peu plus compliqué. Il fallait passer par le push. Ce que disait Stuff est assez vrai. C'est pas vraiment un multitâche non plus qu'il propose. Il propose 7 routines qui, programmées, permettent à des applications de pouvoir continuer à faire des process, à lancer des process, alors que normalement elles sont plus actives. Voilà, ça c'est plutôt. Quand j'ai regardé la démonstration, franchement j'ai trouvé ça super malin. C'est un multitâche intelligent, en gros. Ouais, c'est un multitâche moins gourmand. Séquentiel, intelligent, moins gourmand, certainement aussi beaucoup plus efficace que si l'OS devait gérer sans arrêt les priorités. Enfin, vous savez comme ça se passe avec iOS 10. Donc, Stuff, je me tourne vers toi. Tu l'as installé sur, j'imagine, des iPhones un petit peu anciens. Est-ce que effectivement, tu as noté une différence de réactivité par rapport à l'ancienne version du système? Alors, j'ai pas 46 iPhones non plus. Non, mais ce que tu as pu constater. J'ai un iPod Touch qui est ici, qui est un iPod Touch de deuxième génération et qui donc, on va dire, me sert dans le cas précis d'ailleurs qui est déchargé. C'est la preuve que je m'en sers beaucoup. Ouais, mais je m'en sers comme truc de test. J'allais dire testing device, mais j'allais encore vous perdre. Donc en gros, c'est comme si j'avais un iPhone 3G à ce niveau-là. J'ai un iPhone Edge, donc il lui est mort. Hein, je peux juste pas installer iPhone OS 4 dessus, sauf éventuellement en jailbreak, mais j'ai pas envie de jouer à ça. Et j'ai un iPhone 3GS. Sur l'iPod Touch, moi je trouvais que ça allait dans l'ensemble. J'ai pas installé la Golden Master, mais j'ai encore la bêta 4, je pense. Ouais. Et je trouvais que ça allait dans l'ensemble, que ça se passait pas mal. Moi, j'ai lu beaucoup de gens qui disaient que c'était plus lent. Moi, j'ai pas trouvé ça plus lent. Je sais pas très bien pourquoi. Et l'autonomie, est-ce que tu as trouvé que tes iPods, tes iPhones s'épuisaient un peu vite avec le multitâche? Ouais, ça, je pense, ouais. Mais j'ai un peu du mal à dire personnellement si c'est lié à iOS 4 ou à mon changement d'utilisation de mon iPhone qui a un petit peu changé depuis que j'utilise Twitter for iPhone, depuis que j'ai utilisé ce client-là, et donc je tweet beaucoup plus. Et je pense que c'est pas terriblement optimisé au niveau cette application, aussi brillante soit-elle, au niveau utilisation de la batterie. Et donc je sais pas très bien, mais je pense bien. Et ça m'étonnerait pas outre mesure parce que ça utilise un petit peu plus de ressources. Et en plus, Apple tablerait éventuellement sur le fait que de toute façon, le nouvel iPhone a quand même une meilleure batterie. Ça couplé avec le fait qu'il a à nouveau deux fois plus de RAM, ce qu'il faut noter quand même, enfin c'est pas confirmé, je peux pas le confirmer non plus en tant que développeur, mais apparemment c'est ce que certains sites disent, et moi en tant que développeur, si ça s'avère être vrai, c'est formidable, parce qu'avoir un demi giga sur un téléphone, c'est plutôt sympa. Monsieur X, une des avancées qui semble intéressante avec l'arrivée du multitâche, c'est qu'elle va permettre notamment de faciliter la téléphonie sur IP, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, notamment, par exemple avec Skype, recevoir des coups de fil, si vous êtes abonné par exemple à la Freebox, vous pourrez recevoir également les appels via votre compte Freephony. Donc là, est-ce que c'est pas quelque part de la part d'Apple cette fonctionnalité-là,
C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure en amont, est-ce que quelque part il n'y a pas un peu de politique pour le multitâche, une porte ouverte et qui embête beaucoup les opérateurs mobiles. En clair, est-ce qu'avec cette fonction, Apple ne déclare pas la guerre aux opérateurs mobiles? Non, je crois pas. Skype est là quand même depuis un bout de temps et le pavé dans la marque a représenté Skype, mais bon, d'autres solutions, les dégâts ont été faits depuis longtemps. Maintenant que ça soit disponible sur l'iPhone en multitâche, elle l'était déjà avant quand c'était pas en multitâche. Je pense que ça va faciliter l'adoption, mais après, Skype ou autre chose, à partir du moment où tu passes par le mobile, il y a un moment ou un autre où tu passes par le réseau de l'opérateur. Et le business model des opérateurs, quand il s'agit du téléphone, c'est un business model à péage. Et le péage, c'est-à-dire l'accès au réseau 3G ou 4G ou que sais-je encore, il le contrôle encore. Donc ça va se faire en bonne intelligence avec les opérateurs. Et si ce n'est pas en bonne intelligence, ça se fera quand même avec les opérateurs. Ce que disait voilà, M. X, c'était visiblement très quand même sibyllin, parce que dans... Dans l'histoire, dans la vraie histoire, c'est que en effet, les opérateurs sont en train petit à petit d'être, si vous voulez, on va prendre une analogie assez simple. Très prochainement, un opérateur de télécommunication par rapport à un super communicateur, comme peut l'être l'iPhone ou un smartphone, va se retrouver dans le cas de ce qu'est Telsat pour la télévision privée par satellite. C'est-à-dire qu'ils seront un simple transporteur qui n'aura aucun accès aux clients, mais qui aura simplement accès à des éditeurs. Par exemple, je ne sais pas qui le fera, peut-être que ce sera Apple, j'en sais trop rien. Et qu'à partir de ce moment-là, ils ne factureront plus en effet à la durée, ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui de façon totalement éhontée et inique, mais ils seront obligés de tomber avec des accords simplement d'utilisation de bandes passantes. Et Skype en est peut-être en effet l'un des premiers, mais Skype a raté beaucoup, beaucoup de rendez-vous malheureusement sur... cette magnifique autoroute qu'était la voie sur IP. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si à terme les opérateurs mobiles pourront continuer à facturer la voie et pas se limiter à la facturation de données. Certainement pas. Et puis sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de Skype, alors qu'il y a un autre truc qui est assez impressionnant dans iOS, c'est FaceTime. Oui, enfin ça c'est plus pour l'iPhone 4, mais oui, mais c'est en Sauf Wi-Fi. iPhone, d'abord pour l'instant c'est iPhone 4 à iPhone 4 en Wi-Fi. Ils ont dit que ça c'était pour 2010. Je pense qu'ils vont réussir à dégoter leur coût pour que dès 2011 les opérateurs laissent passer le truc. Et ensuite, je sais pas si vous avez entendu un truc que Steve a dit il y a quelques mois, à savoir que iOS 4, il va bientôt venir aussi chez l'ami ici. Ouais. Et ça veut pas dire chez ma fille, mais chez mon iPad. On l'a pas bien vu, c'est pas grave. Et donc, oui, peu importe. Je pense que très probablement la prochaine version de l'iPad aura une caméra qui nous permettra donc d'utiliser FaceTime, quoi. Bon, bah, je vais jeter le mien. Et donc je pense que Skype pourrait éventuellement avoir un concurrent de taille avec FaceTime. On a parlé tout à l'heure, dès le début de l'émission, des fonctions de dossier. Est-ce que c'est vraiment digne d'Apple, cette fonction, en matière d'ergonomie, en matière de design? Est-ce que, finalement, c'est assez simple comme concept. Est-ce que c'est, selon vous, digne d'Apple? Voilà. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu se creuser un peu plus la tête? Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il y a des fois, Apple sort des trucs formidablement ingénierés. Ça n'existe pas ce mot-là, mais je viens de l'inventer. Oui, c'est Belgio, Colonio. Ouais, formidablement ingénieré. J'habite à Cologne. Haut de Cologne. Yeah, yeah. Ouais. Mais il y a des fois, il faut faire des trucs simples. En plus, c'est beau. Les folders, tu peux la mettre dans le dock aussi, ce qui est quand même pas trop mal non plus. Et surtout, ça te permettra de voir arrêter de te prendre la tête avec iTunes, parce que moi, j'étais tout le temps en train d'enlever des apps, quoi, parce que j'en avais pas assez de place. Il n'y a plus de limite maintenant en matière d'app. Là, je pense qu'on est bon avec 2000 apps. Oui, ça devrait aller. Moi, je pense qu'on est tombé dans les... Enfin, là-dessus, il faudrait reprendre la logique, grosso modo, globale de comment est-ce que Apple a amené iPhone et iPhone OS, maintenant rebaptisé iOS. Grosso modo, aujourd'hui, iOS pour un... Je vais prendre l'exemple de ma femme qui utilise un iPhone depuis 2 ans à peu près. Je pense qu'iOS 4, elle ne verra pas la différence. Je pense que les dossiers, elle ne les utilisera pas. Ce sont des fonctionnalités qui sont déjà power user d'une certaine manière. Les dossiers, peut-être pas, je crois que tu as raison. Mais c'était ma question. Est-ce que quelque part, cette montée en puissance des fonctionnalités ne va pas quelque part casser ce qui faisait la beauté de l'art de l'iPhone? C'était casser, sa simplicité. Mais... C'est pas un peu trop compliqué pour monsieur et madame tout le monde, le coût des dossiers? Oui, mais dans ce cas-là, il l'utilise pas. Il les utilise pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple que ça, voilà. Par contre, le multitâche, je pense que les gens vont l'utiliser. Il faut juste qu'ils comprennent comment ça marche. Je suis pas certain. Je pense que.
le choix. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire de facto. Que je, oui, il y aura quand même une période d'apprentissage. La différence. Ce qui n'est pas forcément le cas avec la première génération d'iPhone. Je concède que le fast app switching, donc le fait de double-cliquer et tuk-tuk-tuk-tuk, ça, les gens vont peut-être pas comprendre tout de suite parce qu'il faut d'abord qu'ils comprennent comment ça marche. Mais je pense qu'ils vont tomber dessus par hasard. Je suis à peu près certain que les gens vont continuer à utiliser le bouton, l'unique bouton de l'interface de l'iPhone. Jusqu'à ce qu'on leur explique. Avant. Non, mais même, ils l'utiliseront toujours comme l'iOS 3, enfin, la grande majorité. Il ne va pas se poser le problème du double clic et va passer d'une application à une autre. Ça dépend du nombre d'apps que tu... Ouais. Donc, tout ça, ça rentre en effet dans des fonctionnalités qui sont formidables pour aller rabattre le caquet des trolls sur les forums Android et compagnie qui vous disent « Ah, il n'y a pas le multitâche, gna 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 ». Maintenant, on va pouvoir arriver sur les forums et dire « Bah non, on a le multitâche, on est comme vous », et voir, on le fait plus intelligemment. C'est vrai que c'est intéressant comme approche, et ça montre que finalement, ce n'est pas forcément une fonction qui était indispensable pour monsieur, madame, tout le monde, mais qu'il va falloir apprendre à l'utiliser, ça c'est nouveau chez Apple. Du moins sur l'iPhone. Ouais, mais implicitement, les gens vont découvrir, en tout cas certains d'entre eux. Concernant le Game Center, alors ça, on n'a pas du tout reparlé lors de la keynote, mais c'est un truc très important qu'a mis en avant Steve Jobs dès le mois d'avril lors de la précédente on a découvert iPhone 4 pour la première fois avant pourquoi tu rigoles? Tu sais pourquoi je ris? Ouais. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu viens de dire qu'il a présenté en avril, c'est pour ça que je me marre. Parce que Game Center, ça me fait super penser à Push Notification. Dans le sens où ils le présentent à un moment donné, ils disent ça va venir et ils l'auront fini dans 2 ans en fait. Donc tu penses que c'est pas pour tout de suite, ils l'ont enterré? Non, je pense pas. Alors, non. Pour ceux qui n'ont pas suivi Game Center, c'est quelque chose de vachement important, je dirais marketingement parlant, et pour le positionnement de l'iPhone, parce que c'est l'équivalent des Xbox Live, par exemple, pour la Xbox, qui permet de partager, de jouer en ligne, de jouer en réseau. Ça, c'est quelque chose de vital pour imposer l'iPhone ou l'iPod Touch comme une console. Ouais, et puis, Monsieur X ou Emmanuel, c'était peut-être aussi une manière, tu parlais tout à l'heure des dossiers pour répliquer à Android et compagnie, mais là, c'est une manière de répliquer à Windows Phone 7, qui va arriver à la rentrée, qui, lui, aura l'Xbox Live intégré dans ce téléphone-là. Et là, il y a quand même des installations des intéressantes. Non, mais à chaque fois que tu prononces dans une même phrase, Olivier, Apple et jeu, ou le mot game, ou ce que tu veux, je commence par me marrer quand même, parce que je l'ai fait aussi quand j'étais chez Moi, je demande qu'une chose, hein, c'est à voir et que ça marche. Jusque-là, je pense que ça n'a jamais été le focus, pour des tas de raisons, et que ça va, ça vient. Mais qui sur Mac, oui, monsieur X, mais sur l'iPhone. Sur Mac peut-être, mais sur iOS, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est quand même une console de jeu non, c'est pas une qui marche pas mal. Non. Pour moi, c'est une console de jeu à part entière. De casual gaming, mais c'est pas ça. Non, il y a des jeux qui sont pas du tout casual. Hein. Mais c'est pas un énorme joueur non plus, mais enfin bon. L'utilisation classique des jeux sur l'iPhone et l'iPod Touch, c'est du casual gaming dans le métro, quoi. Parce que l'interface est très particulière et qu'il n'y a pas de retour avec les boutons, ce qui reste quand même quand on joue la norme refaite un épisode de Star Wars sur l'iPhone, je vous défie de prendre du plaisir au bout d'un quart d'heure, mais bon, voilà. Donc moi j'attends de voir. Je pense qu'il y a vraiment Apple a fait vraiment des belles choses avec la partie jeu, et justement sur le casual gaming, moi ce que j'appelle les petits jeux d'attente, c'est hyper sympa. Mais c'est pas encore une console, et c'est pas ce truc-là qui va en faire. Les gens utilisent pour jouer, mais c'est pas ils achètent pas l'iPod ou l'iPhone pour ça, en clair, monsieur X, si je comprends bien. Ouais, parce que tu vas pas te trimballer. Enfin, moi, je pense pas effectivement. Pas avec ma Nintendo DS quand je vais chez le médecin ou dans le métro, j'ai un produit l'iPhone, et puis ça m'arrête de jouer, c'est très sympa, et je dépense même de l'argent sur iTunes pour ça. Pareil. Mais quand je pense jeu, bon, bah, je suis comme tous les mordus de Nintendo, j'attends plutôt la 3DS pour voir si ça vaut le coup. Quoi. En relief 3D. Ouais, entre parenthèses, 3DS, c'est fort comme nom. Hein. C'est bien trouvé. Dernière pièce du puzzle concernant iOS 4, et puis c'est pas une pièce des moindres. Peut-être pour l'utilisateur lambda, ils vont pas trop s'en rendre compte tout de suite, mais Apple, lui, va le sentir passer au niveau du portefeuille, c'est clair. C'est iAd. Et là, je me tourne vers Monsieur X et vers Emmanuel. Est-ce que là, et puis après, on en parlera avec le développeur brièvement, parce que là, il faut qu'on conclue. Bon, les gars. Non. Concrètement, est-ce que là, Monsieur X, il y a vraiment une idée d'Apple de devenir le Google du mobile avec iAd aujourd'hui? Comment te dire? Si tu veux une réponse simple, je te dis oui. Après, si on prend 30 secondes, pour comprendre que le marché de la publicité en ligne, il est segmenté en 3 tranches. Il y a une première tranche qu'on appelle le kilomètre, c'est-à-dire tous ces
mots subventionnés qu'on appelle les AdWords et qu'on peut voir à chaque fois qu'on fait une recherche, soit avec Google, soit avec Bing, par exemple. Ça, c'est du kilomètre parce que comme annonceur, ça ne te coûte rien à acheter. Et comme responsable d'un site internet qui publie ses AdWords, ça ne te rapporte rien. Par contre, en termes de masse pour Google ou Microsoft, ça représente un vrai marché. Après, tu as un deuxième panier qu'on appelle le premium. Et ce panier-là, il est défini ni par les éditeurs de sites, ni par les annonceurs, il est défini par les régies. C'est-à-dire que les régies, pour être intéressantes pour les annonceurs, elles vont rassembler des sites sur une même thématique. Donc elles vont prendre tous les sites de foot, et elles vont devenir la régie spécialiste des sites de foot. Et elles vont vendre à des annonceurs un pack qui va s'appeler football, dans lequel tu vas avoir tous les sites de foot disponibles en France. On appelle ça du premium. Et ça, c'est ce qu'on appelle les formats classiques, les bannières, ou les carrés, toutes ces choses-là. Et puis après, tu as un troisième panier, qui est le plus petit en quantité, mais qui, en termes de chiffre d'affaires, potentiellement, est le plus fort, qu'on appelle les opérations spéciales ou les formats riches. Ça peut vous arriver quand vous allez sur un site et vous avez carrément une animation qui apparaît sur le site. Et c'est ça que vise Apple. C'est la partie premium du marché des iAds, toujours dans une stratégie économique de viser le haut du panier, et ce qui est vrai pour les Mac ou les téléphones est vrai sur la pub, Apple vise le haut du panier en valeur. Et comme il maîtrise effectivement toute la chaîne, ça c'est historique, hein, Apple est le constructeur intégré entre le matériel, le système d'exploitation et les services, il rajoute la partie publicitaire, et sur ce sujet-là, ils peuvent faire très très mal, parce que Google peut continuer à faire du chiffre d'affaires, mais la marge de ces entreprises-là, elle est dans la partie premium. Et c'est bien pour ça que ça grince entre Apple et Google, et que ça soit sur l'Internet ou encore pire sur le mobile, puisque si on regarde les conditions avec lesquelles on peut mettre de la publicité sur les applis iPhone avec iOS 4, pour revenir à notre sujet, c'est plus que compliqué, hein, pour des gens comme Google de s'imaginer faire du business, ou même pour des régies d'opérateurs téléphoniques qui, si on suit à la lettre les contrats développeurs, se verraient exclus de ce marché-là sur l'iPhone. Bien, merci messieurs, je crois qu'il faut qu'on conclue, mais on a gardé le meilleur pour la fin. Vous avez remarqué que iOS n'arrivera pas sur l'iPad, mais ça on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Également que Apple, on l'a vu lors de la dernière conférence des développeurs, a beaucoup valorisé iOS, et on n'a quasiment pas parlé de Mac, du Macintosh, à tel point qu'on peut se demander si iOS ne va pas finir par manger le Mac. Ce sera pas le sujet de ce soir, mais le sujet d'une autre émission qu'on essaiera de vous diffuser soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Ça dépendra d'Apple et de l'arrivée de cet iPhone 4 que tout le monde espère avoir assez rapidement en main. Voilà, merci messieurs de votre fidélité. Merci messieurs d'être présents encore avec moi ce soir. À la semaine prochaine. Bonsoir. Les radios du monde et toutes vos infos maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.